Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. On continue notre partie. J'ai pas encore pris l'institution, mais mes sous commencent à monter vraiment très haut. L'Autriche l'a prise, en revanche. Et la Bohème, peut-être. Ah non, ils l'ont pas encore pris. N'appartient pas à une compagnie commerciale et la religion officielle du pays est le protestantisme, l'anglicanisme ou la réforme. D'accord, ouais, c'est ça qu'il faut pour progresser sur la... Oups, je suis au max. Mauvais plan. Est-ce que je prends un emprunt? Je pourrais faire ça. Hop. Adopté. Vous pouvez aussi prendre ça. Voilà, je peux prendre un nouvel ensemble. Je sais pas si l'expansion agressive c'est encore très utile. Ou si je préfère avoir encore plus d'influence, de réputation diplomatique et tout ça. Pour être garanti d'être électeur. Novatrice, ça pourrait être très intéressant pour les coups. Conseil diplomatique, propagation. Espionnage, c'était aussi très intéressant parce que je pouvais faire des revendications pour mes dépendances. Et si je suis emprunt, je peux les faire progresser dans le Saint-Empire en fait. On va prendre celle-là. Voilà, on a fini nos doctrines. On a désormais le moins 10 de coûts de développement. Ça coûte toujours très cher, 22. On a des francs-tireurs, des caracoles, des bombardes de siège. On va plutôt rembourser l'emprunt d'abord. Ah bon, on peut déjà. Très bien. 13, c'est pas mal. 28, c'est trop génial. Il doit y avoir une manufacture à Spitz. 37, ça vaudra la peine, mais j'ai plus les sous. Est-ce que des provinces de commerce? Non. La Russie a une succession contestée, mais il a 16 ans, le dirigeant. Le plus probable, c'est quand même que les Lituaniens passent en UP. Ou alors le Palatinat. Palatinat est de ma famille, je crois. Ou alors est-ce que ça a changé? Von Wittelberg. Dynastie. Wiltenbach. Wiltelsbach. Zbach. Wiltelsbach. Ouais, bah. L'Alsace, elle est. Non, Wolholstein. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse prétendre au trône? Que j'ai un mariage royal avec eux, je pense. Il a 34 ans, c'est pas encore très probable qu'il meure. Et j'ai une relation dispo par contre. Parce que j'ai annexé mon vassal en fait. Ils sont indignés. On va améliorer nos relations. C'est peut-être ma deuxième UP. Le territoire en lui-même m'intéresse pas vraiment. Ils sont en guerre d'ailleurs. Mais ils sont pas en guerre contre un voisin, donc ils seront pas mangés. Je pourrais descendre l'autonomie du Palatinat, sachant qu'ils sont déjà en vie de se révolter. Je suis en paix forcée avec les membres de l'Empire jusqu'en 84. Ce qui est en quelque sorte une bonne nouvelle parce que ça va m'éviter de monter mon expansion agressive de façon inconsidérée. Sachant que je suis déjà encore trop haut avec certains pays. Pas beaucoup. Je suis pas en paix avec l'Alsace. Je me dis que l'Alsace c'est quand même une bonne cible.
J'ai besoin de leur province. Une revendication jusqu'en 92. Sur eux, il y aura Brême et Trèves. Si je me mets là, je peux attaquer Trèves direct. On va faire ça. Brême et Trèves. On va demander au Munster de venir nous aider. Le but, ça sera de prendre Alsace. Hop. Et ils ont un fort activé. Oh, le Munster, il est faible, c'est fou. Je pensais pas que c'était le cas. Il a que 10 000 hommes alors que c'est un gros pays. Il a un peu. Ah, je crois que c'était le Munster qui avait ses provinces. Qui avait 7 provinces au moins. Ou pas, je sais plus. Non, j'ai pas l'impression qu'ils aient diminué. On peut regarder si jamais il y a des provinces. Ouais, Hanovre, c'est une province légitime. Et Hesse, c'était une province légitime. Ils étaient plus gros avant. Mais je crois que ça fait longtemps qu'ils ont perdu ces provinces. Je pourrais appeler l'Angleterre ou l'autre. Mais ça m'a pas l'air très utile. L'Angleterre, elle a encore moins de troupes. Elle a moins de troupes qu'avant. Du fait qu'elle ait perdu sa guerre contre l'Espagne parce qu'elle combattait à mes côtés. C'est un peu triste. La France progresse plus du tout en conquête. Faut dire qu'il faut qu'ils choisissent entre attaquer l'Empire, donc moi, attaquer la Bourgogne qui est pas dans l'Empire. Bah ça, je sais pas pourquoi ils font pas. Surtout qu'ils sont alliés à Bade, c'est tout. Ou attaquer la Provence qui est alliée à Milan, Toscane et Venise. Venise, c'est plus grand chose, sachant que Milan a pris Venise, justement. Et qu'ils n'ont pas de territoire en Crimée, que la Crète est indépendante, que les hospitaliers sont indépendants, que ça c'est aux Ottomans, que ça c'est aux Ottomans. Ils ont plus qu'une province, Venise ou? Ouais, ils ont plus qu'une province, tout petit Venise. Oh, je peux pas leur déclarer la guerre pour les attaquer. Ah, ils sont alliés à l'Espagne, c'est vrai. Je peux pas les attaquer en propre pour les tuer en tout cas. Trèves, j'ai pas besoin de les siéger autant. On va juste faire. Hop. Qui est le dernier? Brême. Brême, c'est une cité libre. J'ai pas envie de les embêter. Ah, révolte polonaise de Mecklenburg. Enfin, plus exactement, révolte danoise sur Mecklenburg. Sacrifiant des ducats. La Poméranie, donne pas l'accès, s'il te plaît. Histoire que Mecklenburg puisse se séparer et que je puisse prendre Rostocka à la Pologne. Et j'ai pas besoin d'autres provinces que Rostocka pour la Pologne. Je sais plus. On va checker. Non, j'ai pas besoin d'autres provinces. Ah mince, il y a des Danois là. Enfin, si la Pologne n'a pas d'accès, elle pourra pas sauver, quoiqu'elle a des bateaux. Brême qui fait un siège. Si je prends leur capitale, ils quitteront quand même, j'espère. On a un évêque, on a le siège de Trèves. Peut-être que Trèves va me quitter. En vrai, ça vaudrait la peine que je prenne une province pour pouvoir traverser. Mais après, oh là là, tellement râlé. On va regarder. Il y aurait beaucoup de monde, mais pas tant que ça. Ça me permettrait définitivement de traverser. Ce serait pas mal dans ce sens-là. 11, 13. C'est kiff, c'est des provinces que j'ai dans un état. Mais j'en ai pas besoin. La province suivante que j'ai besoin, ce sera S. On a des protestants encore. On va finir par passer protestants si jamais ils convertissent toutes nos provinces. Dans ce cas-là, je dépenserai mes derniers points sur le pape. Ce sera tout. Mais tout ça, c'est des catholiques fervents catholiques.
Sachant que j'aurai un malus avec deux de mes deux plus gros alliés. La Pologne. À moins que la Pologne passe elle-même protestante. Ils ont fini par prendre notre siège. Pas grave parce qu'on ne veut rien leur demander d'important. Ah, Palatina. Je peux désormais les convertir. Du fait que j'ai baissé l'autonomie. Je sais pas s'il y a d'autres provinces où c'est envisageable de baisser l'autonomie. Ah, c'est pas faisable en temps de guerre déjà. Et il faut pas que ça enclenche une autre révolte quand même. Ah, je peux faire des revendications sur S. Pour la province de S, justement. Fin du siège. Alors, il est là-haut. Ils ont un fort de niveau 4, eux? Non, juste 3. Enfin, je pensais niveau 4 plus 1 pour la... le fort. Ah, le Danemark, ils ont encore énormément d'hommes. C'est fou, parce qu'ils sont... Ils sont... pas très gros. Ils ont perdu deux provinces dans la guerre. Donc ils ont réussi à s'en sortir. Je pense qu'ils ont une flotte plus puissante que la Suède et la Russie combinées. Bon, que la Russie, c'est pas très étonnant. Que la Suède, un peu plus. Et du coup, le Danemark a réussi à empêcher tout le monde de passer. Ils ont 50 bateaux. Ils ont empêché tout le monde de passer sur leur capitale. Ça les a sûrement vraiment aidés. Ils ont un 3 de siège, ouais. Ils arrivent sur les sièges et ils les font à toute vitesse. Moins 14. Ouais, mais j'ai fait le siège de votre capitale. Donc vous êtes quand même, même si vous avez fait 10 sièges chez moi, avec un score de guerre tout pourri. Alors. Pas d'allié avec le Danemark, je vous prie. Pas d'allié avec Brandebourg. Et ils pourraient changer de religion. Oh, c'est une cité libre, c'est vrai que je peux pas leur imposer ça vraiment autrement. Mais en même temps, si je change de religion. Oh, mais c'est un centre religieux! Ah oui, non. Si, Brême, j'ai envie de tuer votre centre religieux. Sauf si je décide finalement de passer. Réformer. Alors, je trouve que c'est trop intéressant les bonus avec le pape. On va pas passer réformé dans cette partie. Protestant. D'ailleurs, réformé, il n'y a pas beaucoup de trucs en faveur de que je passe protestant. Réformé, au contraire. J'ai pas beaucoup de provinces réformées. Et c'était le. Un, non, un des. Il me reste plus qu'un centre de chaque maintenant. Voilà, on rentre chez nous. Enfin, un état catholique. Bon, il va peut-être repasser converti à l'occasion. Mais au moins il n'y aura plus le fort. Voilà, le score de guerre c'est à peu près fini. La guerre est à peu près finie. Vous, je vais vous demander trêve ou l'autre. 28, 33. On va prendre le 28. Plus tous vos sous. Vous allez rien rendre à Clèves. Comme ça ils sont isolés et personne viendra les conquérir. Oubliez Gueldre. Non, oubliez pas Gueldre d'ailleurs. J'ai pas envie que vous l'oubliez. Arrêtez d'être rival avec Bad. Ou alors je leur impose la religion. Ah, ils sont protestants. Donc je peux leur imposer la religion. Ce serait plus intéressant que de faire oublier des rivaux. Voilà. Ah, il y a un fort. Cool. Où j'ai un sacré paquet de forts tout le long. Doit bien me protéger. Et l'Alsace 94 parce qu'ils occupent Prague et Trentin. Ah, ils ont cédé à l'Alsace les autres cocos. On va quand même aller les tuer, je pense que ça suffira. Ah ouais, mes alliés ils arrivent, ils ont pas moins 14, ils ont moins 28 alors qu'ils sont 28 000. Alors que les autres avec leur com 3 de points de siège, ils se sont débrouillés comme ils voulaient. Ah mince, conflit religieux semblerait-il.
faudrait une unité religieuse plus importante. Ce qui va arriver une fois la fin de la conversion. Ah du coup, il n'y en a plus qu'un qui convertit chez moi, de centre. Les deux étaient en train de convertir chez moi, on est passé à 1. En fait, en tant que Bavière, je peux facilement convertir... Je suis trop petit pour les Ottomans, c'est ça? Ouais, je pense qu'ils ont tellement grossi que je suis devenu trop petit. Ottoman n'est plus un rival valable, il va me dire. J'aurais plus qu'à mettre l'Espagne. J'ai moins 3 parce que j'ai annexé une dépendance et je suis quand même à plus 1,7. Je les ai tués? C'est bon alors. La Provence, voudrait passer chez moi. Soit allez vous occuper de vos fanatiques protestants. Voilà. J'ai même pas regardé les Koas. De toute façon, j'avais besoin de la province. Et c'était une province catholique ou pas? Non, donc c'est pas bon pour mon unité religieuse. Qui est passé à 72. Hein. 8 de puissance de missionnaire. Wouah! On est à 75, est-ce que c'est la fin? Ouais. C'est la fin du désastre religieux. Palatine. Donc à Palatinat, j'imagine. Ouais. Mayençay, ce serait. Juste Palatinat? Très bien. Je les ai pris pourtant il y a longtemps. Ah mais j'ai limité l'autonomie, ça leur a pas plu. Ah par contre ça va pas m'aider pour déconvertir mes provinces protestantes. La Savoie est en train de passer réformée. Ah je peux convertir Oldenburg. 13 mois. Je pourrais baisser ma maintenance sur l'armée. Hop. Rembourser un emprunt. Alors, dans de nombreux pays, les familles nobles se voient confier le contrôle de domaines ecclésiastiques et les offices accordant le droit de les administrer leur sont vendus, garantissant ainsi un revenu à l'État. Ceci, bien évidemment, y perd le contrôle d'une partie de ses revenus sur le long terme, mais y gagne sur le moment de l'argent frais. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Qu'on va plutôt refuser. Gagner des points et fâcher un de nos deux ordres. Mais l'autre va pouvoir, s'ils ont suffisamment de soutien, nous faire un truc administratif. Voilà. On leur accorde des chartes. Et on exige un soutien. Voilà. On a gagné quelques points. On pourrait déjà faire la tech militaire. Ratisbonne est passée protestante. On pourrait réavoir le désastre du coup. Je crois qu'il faut aussi l'agitation super positive. Et j'ai plus l'agitation positive. Pour avoir le désastre conflit religieux. Ah, tout est fait là pour l'instant. Ah bah voilà, il est réenclenché. J'ai plus qu'à prier pour que je convertisse plus vite que le centre religieux. Qui tape plus chez moi d'ailleurs, qui tape en Pologne. Il pourrait taper sur les provinces de Norvège ou de Suède, ce serait pas gênant puisqu'ils sont passés protestants. C'est marrant que Milan soit peu converti, mais le pape lui. Ah non, c'est la Toscane tout ça? Ah non, pas tout. Le pape lui, il s'est converti. Enfin, les états pontificaux. Plus 5, plus 12 et plus 4. Ah ouais. On va changer de focus, du coup. Hop. Productivité. Loi sur la dissolution et artillerie montée.
Qu'est-ce que ça donne? Je pourrais prendre combativité de l'artillerie à la place de l'autre bonus, mais l'autre bonus c'est plus 1 de réputation diplomatique, donc non. Modif national d'impôt et évolution mensuelle de l'économie, ça m'intéresse beaucoup. Je peux faire des revendications sur S. La Saxe, je vais devoir faire des revendications sur E. J'ai encore quoi avec la Saxe? Mariage royal, garantie, accès militaire. Ils sont alliés à qui? Ils sont juste alliés à Trèves. Pour l'instant, ça va rester des amis. J'ai droit à une réputation, une relation en plus. Ah, vous êtes sérieux, vous? On va améliorer les relations avec eux. Je vous ai choisi. Et maintenant, vous râlez. Nassau. Donc, grosso modo, soit je leur fais une offre d'alliance. Soit ils voteront pas pour moi. J'aurais pas dû les choisir. C'est même plus facile de convaincre Bad d'être avec nous. Ça doit être aussi grâce à la religion. Avec 40 du fait que ce soit une hérésie voisine, ça aide vraiment pas. Pour l'instant, ce serait moi qui serais élu. Donc on va laisser rester comme ça. On va améliorer nos relations avec Bad parce que eux, ils savent m'apprécier à ma juste valeur. Parce qu'ils sont catholiques, faut dire. Faudra des électeurs catholiques comme ça, il vaudra que des pour des pays catholiques. Quasiment que pour des pays catholiques. Ou Trèves, c'est un bon choix pour être électeur. Ça, c'est chez moi. Mais Trèves, j'ai beaucoup d'expansion agressive sur eux. Y a pas d'autres petits pays catholiques. Eux, c'est une cité libre. Il n'y a pas vraiment d'autres pays catholiques. Enfin, il y en a d'autres, mais ils sont susceptibles de passer protestants très rapidement. Utrecht, par exemple, ils sont catholiques. Hop, on peut faire l'autre revendication sur S. J'hésite à continuer à progresser. Dans l'Empire, vers l'Allemagne. Ah non, c'est bon, elle repasse contrôle. Ah bah quelqu'un les a tués. Ah non, ils sont passés chez eux. Le Palatinat, ils m'apprécient toujours pas. Est-ce qu'ils ont toujours pas d'héritier? Non, ils en ont eu un. Ah si, ils en ont pas. 37 ans, il a. Poméranie, on est en trêve avec eux jusqu'en 84, ce qui est plus si long. Faut qu'ils sachent qu'un jour, je vais les tuer. La Poméranie est en guerre d'ailleurs. Face à mes alliés. Défense. Ah non, attaquant face à Brabant dans la conquête frisonne de Bréda. C'est eux. Et ils sont contre Munster, entre autres. Alors, Alsace ou Colzberg? Oui, Colzberg, là. Regardez au taux de développement 11 et 15. L'Alsace, ça vaut plus la peine. Ça coûte légèrement plus cher. Ça fait tellement longtemps que je laisse cette province, elle est seulement à... Ah ça, elle est protestante aussi. Moins 9. Plus 1.
Armée noire. Quoi, c'est 25 le minimum là? Ah, je les ai donné à des ordres ces provinces. Bourgeois, je crois. Là, c'est 25 le minimum. Là aussi, j'imagine. Là aussi. Là, on est à 13, pas trop mal. Brême étant une ville libre, non, étant une ville libre, je peux pas les choisir électeur. Hambourg, ils m'aiment bien maintenant que j'ai amélioré mes relations avec eux. C'est triste parce que je voudrais vous conquérir. La Pologne peut pas se séparer de ses, peut pas se débarrasser de ses, de l'occupation des séparatistes mecklenbourgeois. C'est une bonne nouvelle. Mecklenbourgeois, c'est bien eux, ouais. Ça fait un nouvel état. J'ai une relation libre. Je pourrais essayer de me faire un vassal. Vassaux, ils veulent pas être mes vassaux parce qu'ils sont dans l'Empire. Ah non, parce que je les ai choisis électeurs, sinon ils voudraient. Palatina, ils m'aiment pas. Parce qu'ils sont indignés et tout. Parce qu'ils sont trop gros, qu'ils sont dans l'Empire. Parce qu'ils sont indignés, que c'est un électeur. Magdebourg, c'est un électeur. J'aimerais bien qu'il disparaisse. Peut-être que si la Poméranie perd, ils feront libérer des trucs. On peut rien y faire. Pas envie de dépenser des points. L'Écosse est contrôleur de la Curie. Bismarck. Alors, ils ont gagnent trop d'argent. Il faudrait une toute petite province du Saint-Empire pour qu'ils acceptent d'être mes vassaux. Une toute petite province du Saint-Empire qui accepte de me. De qui m'apprécie en fait. Ah, séparatiste. Palatin, les voilà qui arrivent. Plus 10. Ça vaudra la peine si je fais une manufacture. Gagnant les points plutôt. Non! Trêve! Ne te laisse pas convertir! Résiste! Ne deviens pas hérétique! Séparatistes Picard! Oh, ils sont relous! C'était réformé, ça doit être possible pour ça. On ira se charger d'eux. Ah, je pourrais les faire diminuer en me mettant sur la province. C'est ce qu'on va faire. Déplacement interdit par une forteresse hostile. Il manque un droit de passage chez Brabant. J'ai plus que 30 000 hommes, mais je pourrais en faire beaucoup plus, je crois. 82. Ils sont 3 à voter pour moi. Badre vote pour moi. La Saxe vote pour moi. C'est quand même des crapules, Nassau, hein. Vous allez me faire un transfert de puissance. On rapportera des relations. Faire le plus cher en partant du principe que c'est. Ah non, non, non. Mince, c'est l'autre. Sérieux? Tout le monde m'a rejoint? Tout le monde m'a rejoint sauf le Munster. Parce qu'il est en pleine difficulté. Et je suis en guerre contre les Ottomans qui veulent conquérir, tout simplement. On est à peu près autant qu'eux. Ils ont le Danemark de leur côté? Non. Ah si. Ils ont le Danemark. On va essayer de sortir le Danemark. Ça va être ma mission. J'aime pas faire ça, mais. Parfois les circonstances l'exigent. 4, 5, 7. Et on a des séparatistes clévois à Kolzberg qui pourraient se livrer et révolter aussi.
10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ils sont vraiment pas contents de ce côté-là. Tech militaire, c'est pris. Norvège a conclu une alliance avec notre ennemi Danemark. Ok. Ils ont oublié le passé sous domination danoise. L'Angleterre vient nous aider, même si elle est assez faible. C'est sympa de leur part. Faudrait que la Pologne tienne contre l'Ottoman le temps qu'on arrive. Sachant qu'il faut pouvoir occuper toute cette zone-là sans souci parce qu'il n'y a pas de fort. Magnifique, magnifique. Alors, niveau troupes, on devrait les dépasser avec l'armée que j'ai faite. Je suis désolé, la Pologne, mais j'ai vraiment pas envie de vous aider. Prague s'est converti. Oh, la bêtise. Ah bah et voilà, c'est fini pour la libération. Oh, mais je pourrais te demander Wismar ou Holstein. Holstein, ça serait encore mieux parce que ce serait à côté de moi. Ah, à côté de Hambourg. Pas à côté de moi, qu'est-ce que je raconte? On a 10 qui sont coincés là-bas. Oh. Mes 2000 hommes vont peut-être se faire tuer. Ouais. Oh non, je suis arrivé juste au moment de la défaite. C'est abusé ça. Ah, il m'échappe. Ah, là il m'échappe plus. What? Si, ils m'ont échappé. Retenez les Autrichiens. Hop, adieu cela. On a 2% de score derrière. C'est quoi l'objectif? C'est Spice. Ok. Hambourg est en guerre. Il peut faire des conquêtes, mais il va risque de se faire avaler par son voisin, qui a beaucoup plus d'alliés de son côté. Alors, mon armée est prête. 20 000 hommes, parfait. Rassemblez-vous en un point. Province détenue illégalement. Qui ça? Frise. Ils ont les libérés NO, trop bien. Et ils ont pris cette province, peu importe. À leur guise, ils ont libéré un état du Saint-Empire, ça me va. J'ai débloqué la marche forcée. Ouais, j'ai encore le désastre imminent. Peut-être que je vais prendre la contre-réforme. Si j'embrasse la contre-réforme, j'aurai plus de missionnaires. Ce qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Hop. Pour éviter d'avoir le truc, je vais en avoir besoin. Le désastre. Voilà, un général. Et on va aider les Polonais. Pas par là. Plutôt par là, par exemple. Ils se débrouillent très bien. Si quelqu'un veut se grouper à moi, c'est possible. Il y en a qui passent. Non, ils passent plus. Ah, là, ils tentent de passer vraiment. Pas en moins. Faut que je check mon autre armée, sinon je vais me la faire tuer. Je vais peut-être me greffer aux Autrichiens. Et les laisser juger ce qu'il faut faire. Après Colding.
conversion faite. 3. Hop, on va aller là-bas, nous. Le Danemark, il perd à combien? 18. Peut-être le moment de quitter. Si je vais le Holstein, il me faudra beaucoup de points. Parce que je suis pas très loin de la paix blanche. Je suis pas sûr de vouloir l'attraper. On va aller là. Allons jusqu'au. Non, si on va tenter de l'attraper. Il file. Je sais pas s'il file vers le nord ou pas. Il est là. Là, je l'attrape. Pas forcément un bon plan. Hop, en revanche, il va à Stade. Il va jusqu'à Dismarck. Hop, là je l'attrape. Ouf, on a un nouvel empereur. Et ils ont choisi moi. Heureusement, il y avait, je sais pas qui me soutenait, mais pas grand monde. Si, il y avait trois personnes qui me soutenaient, dont Bad. Et les autres soutenaient Palatina à deux. Un pour Nassau et un pour S. C'est très bien, ça m'a rapporté des points. C'est l'occasion de booster mes relations avec des gens ou alors de virer des cités libres. Ou alors de révoquer l'électorat à quelqu'un. Par exemple, qui vote plus jamais pour moi? Magdebourg. Parce qu'il m'aime plus du tout. Ah mince. Non, ça coûte très cher de révoquer l'électorat. Il vaudrait mieux que j'impose la religion des États, par exemple. Faudrait qu'ils se laissent imposer la religion quand même. Accorder le statut de ville libre. J'avais pas réalisé que je pouvais faire ça. Il y en a pas qui veulent se laisser imposer l'unité religieuse. Nassau, non. Eux, ils sont déjà de notre côté en termes de religion. Voilà. Hainaut est devenue une ville libre du Saint-Empire. Niveau religion, eux ils ont changé. La Silésie. Eux ils se laisseraient aussi convertir, mais je sais pas si ce sera très efficace. Et ça fâche les gens quand j'impose une unité religieuse. J'ai plus besoin de territoire contrôlé par des villes libres. On est bien d'accord. Faudrait 7 provinces, 7 provinces, 7 provinces. S. Je peux pas les convertir eux. Bon, alors on va accorder la grâce impériale à Munster. Hop. À qui vote pour moi encore? Bad. J'ai plus de diplôme. Là j'en ai plein. Il me reste 7 points. Il y a Nassau qui vote pour moi en théorie. Voilà, qu'est-ce qui manque? La Bohème, peut-être qu'ils vont voter pour moi. Ok. Magdebourg, je crois qu'il m'aime plus du tout. La Saxe. Le Palatinat. Il me reste 3 points. Il faut pas que je passe le mois en fait, sinon j'aurai pas les 3 points complets. Hop. Bon, on va les donner un peu à n'importe qui après. Ah, l'Autriche, pourquoi pas. Voilà.
Et le dernier va être pour... avec qui je vais être défâché en fait. Peut-être Magdebourg. Oh, il m'aime déjà tellement pas. La Frise, pourquoi pas, ils ont un peu grossi. Victoire face au Danemark. Je pense qu'ils vont aller se cacher. Ils ont moins 20. Sortirait pas encore. Tant que j'ai pas les bateaux, je peux pas vraiment faire plus malheureusement. Tant pis. Allons taper du côté de l'Ottoman. Je pourrais laisser une armée quand même, histoire de les décourager de revenir. Tous mes diplos sont libres. Réaméliorons nos relations avec la Silésie. Ulm, il m'aime bien. Les autres, ils se sont mis à me détester. Toi, j'ai toujours besoin de ta province, donc on va refaire une revendication. Trêve. Pas de raison. Voilà pourquoi on se déteste. J'ai gagné une nouvelle ville libre, qui est hérétique, certes, mais qui est ville libre. Et parce qu'il a été libéré république, en fait. C'est ça? Ouais, République marchande, c'est ce symbole là. Ah, c'est ce symbole là. Ah non, c'est ville libre. Bon, c'est la même chose du coup. Frise, ils sont beaucoup trop gros pour devenir une ville libre. Sinon, je leur aurais bien proposé. La Suisse, c'est pareil. Mon allié a perdu encore une province. Bon, il n'en a perdu qu'une. Toujours ça. Lui, il se fait siéger par Hambourg. Comment ça se fait qu'ils sont en guerre contre Hambourg? Ah oui, ils sont tous en guerre pour attaquer Hambourg. Ils ont des super cols, les Ottomans. C'est un peu là qu'on va voir si jamais je suis capable de tenir face aux Ottomans ou pas. Toutes les provinces bavaroises voient leur agitation s'aggraver de 2 pendant 3 ans. Toutes les provinces autrichiennes voient leur agitation diminuer de 2. Hein, parce que... Bah si on a un Wittelsbach. Même dynastie, Palatinat. Et c'est tout. Ils reprennent pas l'objectif de guerre, eux, ils sont un peu bêtes. Y a pas quelqu'un qui va entrer en guerre contre le Danemark, genre la Russie? Oh, la Russie, ça pourrait être des alliés. Oh, ça pourrait être carrément être des alliés. Brabant, l'accès militaire, on va oublier. C'est eux le Brabant. Et je vais plutôt me trouver. Non, 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 pardon. Accès militaire et j'ai plutôt me trouver un gros allié bien puissant comme la Russie par exemple. Vu que la Russie est alliée à la Pologne, c'est franchement je pense que c'est dû au fait qu'il y a Tchernigov entre les deux. Enfin la Russie s'est alliée à tous ses voisins d'ailleurs. Je pense que la Pologne n'est pas assez grosse pour qu'ils les mettent en rivaux, ou alors ils ont suffisamment de rivaux avec l'Espagne, le Danemark et les Ottomans. Ou ça leur suffit. J'ai pas été obligé de choisir un autre rival que les Ottomans moi. Ils me considéraient plus comme un rival, ils ont mis quelqu'un d'autre à ma place. Pologne, Espagne et Russie. Bon. On a réussi à convertir la province. Il n'y a plus de désastre religieux. Et c'est l'heure de s'arrêter. On se retrouve bientôt pour la suite.